Bah comme d'habitude, j'ai envie de dire à Pont-à-Mousson, une belle compétition avec les internationaux jeunes de Lorraine. C'est la 29e édition et ça fait de bon nombre d'années qu'on vient à Pont-à-Mousson parce qu'on a des équipements de qualité qui sont mis à notre disposition par les municipalités, parce qu'il y a une co-organisation avec le club de Pont-à-Mousson. Voilà. En fait, c'est une compétition internationale plutôt frontalière où on a un certain nombre de délégations étrangères, luxembourgeoises, belges, allemandes, qui nous font à la fois le plaisir et l'honneur de venir à Pont-à-Mousson pour une rencontre de jeunes, puisque c'est une compétition qui regroupe les poussins au cadet dans différentes catégories, garçons et filles, et qui est quand même une compétition un peu de référence, puisqu'il y a eu quelques champions qui sont passés par ici et qui sont maintenant dans le circuit national junior ou senior. Je pense à Dorian Nicole, par exemple, et qui joue maintenant en pro du côté de Metz. Il y en a eu d'autres qui sont dans les internationaux. On regroupe essentiellement la grande région, et vous savez que la grande région en ce moment, c'est d'actualité, plus toute la zone frontalière avec le Luxembourg, la Suisse, les Allemands, les Belges qui sont présents à Pont-à-Mousson. C'est un tournoi quand même qui regroupe les meilleurs éléments des régions, on va dire, sachant que quelquefois sur les pays étrangers, c'est un tout petit peu différent. On a les Landes, on a éventuellement des équipes nationales. On a la présence d'une équipe de France, d'une sélection de l'équipe de France. Donc ça regroupe vraiment des bons éléments dans les différentes catégories. Et on aura cet après-midi les finales, qui sont des finales de haut niveau national, voire international. Ça s'est bien passé, après j'ai pas trop mal joué. 3-7 à 0. T'as gagné facilement? Oui. Au début, j'étais bien dans mon match et j'ai un peu relâché sur le troisième set, et puis après, ça a été mieux. Et j'ai eu un peu peur au début, les premières finales. J'ai gagné 3-2. Là. Par exemple, quand je jouais en poule, je m'énervais beaucoup trop, j'étais trop tendue, j'avais trop de stress. Et arrivé en finale, je me suis dit que j'avais plus rien à perdre et je me suis lâchée.
J'ai pris ma revanche sur Chloé. J'ai essayé de faire un différent match par rapport en poule. Et j'ai essayé de topper avec de l'effet et après j'ai réussi à gagner des points. Bah, je perdais 1-0, après 1-1, bah, 2-1 pour elle, et je gagne 3-2. J'ai l'impression que tu avais moins de pression qu'elle, c'est pour ça que tu jouais bien à la fin. Bah, j'en avais quand même, mais après, bah, je me suis dit que bah, si je sentais rien, bah, je pouvais pas gagner. Bah ouais, enfin, j'étais stressée, et je faisais plus rien. Je faisais pas ce qu'il fallait.